Alors, je m'appelle Sarah, je viens du RSMA de la Martinique et j'ai fait 10 mois de formation d'aide cuisinière. Eh bien, mon adjudant m'a parlé d'une formation d'agent de restauration et donc ben, j'ai sauté le pas pour voir du pays, me détacher et prendre mon indépendance. Alors, pas du tout parce que ben, j'ai jamais voyagé déjà et j'ai toujours toute mon attache en Martinique. Donc, du coup, pas du tout. Bien, mon adjudant m'a aidé, beaucoup de mes supérieurs m'ont accompagné, on pris les papiers en main, tout ça. J'ai pu préparer mon dossier LADOM avec eux tout au long de ma formation et voilà, j'ai pu partir. Compliqué parce qu'il y avait des dossiers que je n'arrivais pas à avoir dans les Des temps, papiers. mais oui, par rapport aux impôts, tout ça. Mais sinon, on a enfin réussi et j'ai pu partir. Donc ton premier conseil, se préparer. Oui, se Prendre préparer, un petit peu de temps en c'est amont. ça. Et pouvoir savoir quels papiers on a besoin pour pouvoir les faire dans les temps. Eh bien, j'ai pris l'avion, 8 heures de vol, ça s'est bien passé. Et puis, arrivé, on a été accueillis par Monsieur Delladome, qui nous a accompagnés jusqu'à Bordeaux. Il nous a donné les papiers du train, tout ça. Et puis, non, je suis arrivée à Périgueux. À peu près, c'est plus petit, c'est plus convivial, je trouve. Les supérieurs sont plus à notre écoute et on est bien entouré quand même. Alors là, je commence les cours de remise à niveau, mais le centre ASPA où je vais travailler se trouve à peu près 10 minutes du détachement. Oui, j'ai déjà visité, on a rencontré notre formateur très rapidement et franchement, je trouve qu'il répond déjà à mes attentes. Alors, après avoir reçu mon diplôme, j'espère pouvoir aller plus loin, CAP, BTS ou bien bac, et profiter en fait de ce que la DOM me donne, c'est-à-dire 5 ans en métropole, avant de pouvoir revenir en Martinique pour travailler. D'accord, très bien. Et donc tu sens que c'est la suite logique un petit peu de ce que tu as fait au régiment. Oui, parce que bah, j'ai commencé la cuisine, bah, c'est beaucoup de travail et du coup prendre le plus d'expérience dans le métier pour pouvoir bien travailler. Alors oui, ils sont très contents, ils attendent de voir le résultat de tous ces efforts-là. Et oui, ils me soutiennent, je leur parle, je leur donne des informations. Oui, je suis venue de Martinique avec une copine et je suis toujours en relation avec mes supérieurs de Martinique. Donc, j'ai quand même beaucoup d'attaches encore à mon pays et ça va, on fait le coup. D'accord, donc tu regrettes pas d'avoir fait ce Ah non, choix-là. du tout pas. Il Super, bah merci à toi. n'y a pas de Bonne souci. continuation. Merci.